Hey yo, what's up tout le monde, ici Willow TNT, on se retrouve aujourd'hui sur du Stranded Deep. Donc la dernière fois, nous avions visité l'île qui était juste là-bas, ou peut-être celle-là là-bas, qu'on voit seulement quand j'ai un peu la vue tournée. C'est une tâche... Ah non, c'est une tâche qu'il y a sur mon écran, excusez-moi. Donc l'île qui est juste là-bas. Donc cette fois-ci, nous allons chercher du bois parce que nous avons besoin de bois pour compléter. Nous allons visiter l'île qui est là-bas, l'île assez proche. Je suis désolé si on entend un espèce de bruit, genre style ventilateur ou quoi que ce soit. C'est parce qu'en fait, avant, j'ai record quelque chose pour un pote. J'ai record en fait une rediff de live. Du coup, mon PC a quand même pas mal tourné. Par contre, pourquoi je passe à travers mon bateau? Non, c'est bon. Allez hop, c'est parti mon kiki. Allez, tourne, 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 tourne. Je suis désolé s'il y a des petits coups de lag. Le jeu, le jeu est toujours en alpha, hein, faut bien avouer. Mais par contre, il reste quand même assez beau. Donc ça, par contre, on peut pas se le cacher. Le jeu est quand même magnifique, mine de rien. Excusez-moi. Hop. Du coup, on va visiter l'île juste en face. On va essayer de récupérer le plus de bois. C'est pour ça que je suis parti avec 3 fois rien et un peu de bouffe et de flotte, parce que ça va, je suis quand même bon. Par contre, ça va être ma vie. Alors, à moins que les vitamines font en sorte de récupérer de la vie. Faudrait que j'en récupère un peu plus. Bon bref. Du coup, on va visiter l'île. Aujourd'hui, c'est du bois, du bois, du bois. Hein. Comme ça, au moins, ça sera fait. En tout cas, le bateau tient bien. Le bateau tient même très bien. Le petit bateau là qu'on s'est fait. Il me manque plus qu'une pièce pour choper le Master Bateau of Doom. Moi, le Master Moteur of Doom plutôt. Du coup, on va essayer de se le faire, mine de rien, hein, le gros bateau. Mais pour ça, il faudrait que je trouve une dernière carcasse avec la dernière pièce. Ce qui risque d'être un peu cancer. Faudrait que je trouve une pièce qui fasse le café. Yeah, regardez ça. Amarrage, nickel. Du coup, ici, ça se coupe? Non, ça se coupe pas. Donc, d'accord, donc j'ai trouvé une île avec du bois qui se coupe pas. C'est génial, excusez-moi, un petit éternuement surprise apparaît. Pili-pili-pili. Tiens, toi. Ça, par contre, c'est vachement bien fait, ça. Bon, du coup, on a un peu plus de bouffe. Plant de patates, je vais pas le prendre. Ça, je vais le prendre. Caillou. D'accord, du coup, en fait, je suis venu sur cette île-là pour prendre du bois. Je prends tout sauf du bois. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien. Là-bas, on dirait du bois. Ça, c'est du bois. Ça, c'est du bois. Ah, par contre, ouais, tu commences sur cette île-là, t'es vraiment dans le caca en fait. Le mieux, franchement, c'était de commencer sur l'île qui était qu'on voit au loin là. Parce que ça, c'est vrai que c'est une île de ouf. Voilà tout ce que j'ai pu ramasser dessus. Bon, ça va, du driftwood, on en aura assez. J'ai encore beaucoup de place, faut que je regarde ça. Sinon, je poserai genre le caillou, une connerie comme ça. Merde, crédit. Ouais, vas-y, je vais poser le caillou. Hop, le caillou, j'en ai assez quand même. Hop, du coup là on va couper un peu de bois. Au passage j'en profite pour vous parler, hein, pour vous dire tout ce qu'il y a. J'espère que vous allez très bien déjà. Je sais que le bac, etc. arrive très bientôt au moment où je tourne cette vidéo. Regardez cette vidéo là pas pendant vos révisions, hein, mais pour vous détendre, c'est assez fun. Franchement, c'est calme, c'est doux, on entend la mer, on entend les oiseaux aussi. D'ailleurs, je vais faire un truc pour mieux entendre les oiseaux. Je vais remonter le master volume. Voilà, à fond. Voilà, avec la mer. Ah, là, c'est cool. Regardez ça. C'est pas beau, ça? La plage, la mer et tout. On dirait l'été, dis donc. On dirait l'été. Bon, en tout cas, ça va, ça... En parlant d'été, d'ailleurs, il commence à refaire beau, etc. J'espère qu'à Paris s'en sortent mieux. Du moins, j'espère que Paris ça s'en sort mieux avec du coup toutes les inondations et tout qu'il y a eu ces derniers temps. Moi, ça va parce que moi je suis sur le côté de la mer en fait, là où j'habite. J'habite du côté de la Charente-Maritime, donc du coup avec la mer et tout, nickel. On a combien de bois là? Ah, oh, bah ça va. Ah, je peux vous dire que par contre le bois là, ça fait plaisir. Je mangerai les noix de coco aussi avant de partir, comme ça, histoire d'avoir 4 places de plus. Oh, il y a un seau là. Le seau, j'en ai déjà assez, j'en ai 3 en tout.
dont un qui me sert à rien. Donc limite, je pense que je vais rester comme ça. Ah, du coup. C'est moi, il y avait Plichard là. Il y avait écrit Plichard. Ah là là, sardine. What the fuck? Il y a des poissons sous l'eau. Non, tape dedans. Voilà, voilà. Hop. Allez, on tape dedans la machette tranquillement. Hop là, voilà. Comme ça, ça nous donnera de la bouffe. Même si une, ça suffirait. Hein. Même si une, ça suffisait. Je préfère quand même en prendre deux, c'est plus fun. Hop, excusez-moi, je mettais un petit timer. Parce que sinon, je vais faire comme toutes mes séries. Hop, hop. Voilà. Donc ça, c'est fait. Là, du coup, on s'en tire avec beaucoup de bois. C'est cool. Pourtant, on a défoncé que deux piles et un petit tronc de bois flottant. Je vais essayer de voir si je peux pas loger des choses dessus. Genre, ça déjà, c'est cool. Genre ça, tiens. On va essayer de mettre une petite bûche de bois dessus, histoire de voir. Genre là. Voilà. On va essayer de mettre autre chose. Je sais pas trop ce qu'on a. Ah là, regardez, on a encore du bois. Ça, je peux les porter, non? Je vais essayer de prendre des troncs et en fait les poser dessus. Hop. Je l'avais pas vu lui au départ, hein. Franchement. Voilà. Hop. Drift wood log. Hop. On va essayer de le poser dessus bien comme il faut. Voilà. On va essayer d'en mettre un autre pour voir. Même les deux autres. Comme ça au moins du bois on en aura pour une chier de temps mine de rien. Voilà. Et un petit dernier. Bon, en espérant que ça tienne parce que sinon j'aurais fait tout ça pour rien. Je me suis retrouvé comme un con. J'ai pas fait de test hein, pour info. Hop, voilà. Et voilà. Et là maintenant si je fais ça. Attends, si je fais. Allez! Oh, ça a l'air de tenir. Ça a l'air de tenir pour l'instant. Hop, on va reculer. Demi-tour droite. Mon île, c'est celle-là là-bas. Par contre, il penche un petit peu, mon bateau. Non, 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 recule. Recule, t'es bloqué dans un caillou, là. Eh les mouettes, c'est pas le moment. Hein. Ah! J'ai retourné le bateau. Sérieux? On va essayer de le remettre sur la terre ferme. Attendez. C'est là, si. Franchement, si j'arrive à me bloquer ici, je suis vraiment dans la mouise. On va essayer de le mettre près d'un rocher, genre celui-là là-bas. Toujours derrière moi. Ouais. Allez, on va utiliser une technique américaine qui consiste à monter sur le rocher, à courir et. Hop là! Voilà, technique américaine. Par contre, ce qui me fait suer, c'est que j'ai perdu tout le bois en fait. Tout le bois est au fond de la mer. Alors que normalement, il devrait flotter, mais bon, c'est pas grave. C'est un jeu en alpha, comme j'ai dit. Hein. Comme j'ai dit plus d'une fois. Voilà, ça doit être bon. Ouais, c'est bon. Hop. Bon tant pis, on va rentrer avec ce bois là parce que le bois, bah, il est là le bois. Au pire je sais où est-ce qu'il est. Au pire il est pas perdu. Ouais il est encore chaud le PC, je suis désolé. Là c'est vrai que le PC par contre je le fais pousser là en ce moment, c'est vrai. Par contre l'île là-bas là, ça serait bien de la... What? C'était quoi ce bruit? Vous êtes bien d'accord? Vous avez entendu un bruit comme si c'était une minuterie ou quoi que ce soit? C'est pour info, c'était pas. C'était in-game, pour info. Je sais pas du tout d'où ça vient ce bruit. Mais il était là. Mais il est là plutôt. Donc, prochain objectif, aller sur l'île là-bas là. Sur l'île que je montre là. Que je montre là. Voilà. Ça serait intéressant, dis donc.
Parce que de ce côté-là, en fait, on a fait toutes les îles. De ce côté-là. De ce côté là-bas, là. On a fait les deux qu'il y avait là. Ah, on a entendu mon feu. Esquive le caillou. Moi, esquive le corail. Voilà, nickel. Ça se trouve, c'est le smoker. Le smoker, ça se trouve, il fait ce bruit-là quand il a fini. Hop, voilà. On va courir un peu. Alors, c'est ça, c'est le smoker? Yeah, Cookette Pichard! Yeah! Donc, c'est bien ça. Donc, faut d'abord le faire cuire. Et ensuite. En gros, faut d'abord le faire cuire et ensuite le mettre dans le smoker. Voilà, comme ça s'est rempli. Ensuite, le mettre dans le smoker en fait pour. Il a rempli le seau là. Attendez, que je fasse pas de bêtises. Bucket, c'est bon. Hop, on va se faire un peu d'eau. Là, je vais mettre tout mon bois. Oui, je sais, la dernière fois, j'ai fait un peu de conneries avec mon arbre. J'ai perdu l'hélice, mais c'est pas grave. Duct tape, ça va, c'était là. Carburateur, ah non, elle est là, l'hélice. 1, 2, 3, 4. Et il nous faut. Non, pas ça. Ça, propulsion. Donc, c'est le l'engine canister qui nous manque. Donc, un tanks. Si je dis pas de conneries, c'est comme ça qu'ils l'ont dit. Bon, là, du coup, je vais poser un peu le bois. Ça, par contre, c'est cool. Du coup, on a du bois à donf. Regardez ça! La montagne de bois! du coup, je pense que ça serait bien, c'est commencer un peu sa maison. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, je suis OP, moi. Je suis OP pour faire ça. Bon, ce bateau-là, on va le mettre un peu plus par là. Voilà. Là, il y a des patates pourrites. Donc, ça, par contre, je vais le récupérer. Comme ça, pour demain, ça sera fait. Toutes ces noix de coco-là, je sais pas si on peut en faire quelque chose. Bon, du coup, pour créer sa maison, c'est quoi ça? Ah, le Smoked Cookhead Pilchard. D'accord? Et ça, c'est les crabes. Un très petit crabe. Hop, on va les poser là en attendant. Ça, on va le garder sur nous. Ça. Hop. Parce qu'en fait, le souci avec ça, c'est que quand on redémarre, voilà. Quand on reprend notre partie, en fait, ça sauvegarde pas les petits mots qu'on a mis. Donc, c'est dommage pour l'instant. Mais je pense qu'avec la suite, ça pourra se faire. Hop, j'ai coupé un peu plus de yucca parce qu'on sait jamais. Hop, lynching. Voilà, comme ça, je récupère les deux autres. Je récupère ma corde. Je vais aller de l'autre côté, comme ça, je vais hop, reconstruire le reste. C'était à peu près ici, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Putain, on en a 23. On en avait 23 plutôt. Ça va, je pense que là maintenant de la corde on va en avoir assez, on va en avoir même. Non. J'ai passé, il m'en manque une, sérieusement. Bon, du coup, on va commencer à construire des choses. Donc, on va se faire un petit marteau que j'ai déjà en fait. Donc, faut juste que je me le prenne, hop, et que je m'en équipe. Voilà, maintenant j'ai une petite masse. Et du coup, on va commencer à construire notre maison. Donc, les fondations. On voit qu'il y a plusieurs types de fondations. Moi, j'aime bien, c'est assez stylé. Oh, des fondations en métal et tout. Franchement, c'est stylé. Donc, on va se faire une petite fondation comme ça. Je vais la mettre un petit peu en hauteur, genre. Ouais, pour avoir une belle vue sur la plage quand même. Peut-être un petit peu en hauteur comme ça sur le caillou par rapport au caillou en fait. Ouais, non. Ouais, bah si, ça peut faire stylé, ça peut faire stylé. Genre comme ça. Fondation. Non, fondation, excusez-moi. Ah ouais, mais là je suis trop loin maintenant. Bon, du coup on va faire quelques allers-retours, mais c'est pas gênant. Hop, alors fondation toujours. On va se faire d'abord, on va se faire un petit carré de 4. Niveau des fondations, voilà un petit carré de 4 comme ça peut être sympa. Hop. Bon, j'avoue par contre le driftwood ça fait un peu moche, mais déjà qu'on a une petite maison. Bien posé, ça nous permettra déjà de vivre un peu mieux. Ou par contre, ce petit lac-là était méchant. Là, j'avoue. Non, juste ici, s'il te plaît. Voilà.
Voilà, on voit que le sol est quand même un peu moche, hein, et ça, pas d'inquiétude. Faudrait aussi qu'ils mettent qu'à chaque fois qu'on détruise un objet, on peut récupérer certains matériaux, peut-être pas tous, parce que comme on le détruit, mais au moins la moitié des matériaux qu'on utilise, ça pourrait être sympa. Flore. Ah, du sol. D'accord, c'est qu'en plus de ça, derrière, on peut rajouter le sol, en fait. D'accord. Après, il y a des petits piquets. Du moins, des petits piquets. Je me comprends quand je dis petits piquets. Hein. Des petits angles, voilà, chercher. Donc ça, c'est des murs. On a des trucs pour les fenêtres, des arches pour les portes, des portes, des petits escaliers aussi. Ouais, ça c'est une rampe. Oh, par contre, celles-là, elles sont belles. Bon, du coup, on va se faire des petits escaliers comme ça, histoire de pouvoir monter quand même à la maison, hein, dans la maison. Ouais, comme ça, tac. Ça, voilà, nickel, même plus besoin de sauter. Hop, ensuite, ici, on va se faire quelques murs. Par contre, ouais, du coup, on avait masse de bois et je suis en train de tout bousiller là-dedans. Genre, sur ça, je peux pas? Bah, si, là, je peux. Ouais, mais je voudrais. Voilà, ici. Hop. On va essayer de construire encore un ou deux murs. Je sais pas combien il nous reste de boîtes. Je crois que tout à l'heure, j'avais vu 14, mais c'était il y a un petit moment. Du coup, les petites windows. Je vais voir aussi là un peu. Ouais, franchement, ça va. Hein. Woodstick, j'aime bien un woodstick, mais il y a plus de. Avec une petite fenêtre vers la mer. Bon, une fenêtre de chaque côté au niveau de la mer, comme ça là. Ça peut être grave stylé. Je vais pas dormir tout de suite parce que, comme vous voyez, il est que 18h. Si je m'endors tout de suite, je vais me réveiller un peu plus tard. Par contre, si je peux. Voilà, c'est ce que je voulais. Hop. J'irai me coucher un peu plus tard, hein, pas d'inquiétude. Par contre, ça, c'est grand ou. Parce que, genre, voilà, je vais le mettre un petit ici. Et si je peux. Ouais, je vais mettre un truc de chaque côté là. Windows. Excusez-moi, je regarde les portes, hein, les types de portes. Conteneur d'or, carrément. Style d'or, putain, c'est vraiment la porte en métal. Ouais, au moins ça, je pense que ça nous fera une belle petite maison, mine de rien. Regardez ça, quand c'est beau avec les. Il est bien fait quand même, hein. Il est vachement bien fait comme jeu, hein. Ça on peut pas le nier. Bon, on va couper un peu plus de bois parce que moi je voudrais que le toit soit bien fait, la porte et le toit soient bien faits. Avec du beau bois, en tout cas. Le reste en driftwood, c'est pas très très important, on peut dire ça comme ça. Hop. Donc là, on va continuer à couper du bois. Aujourd'hui, c'est coupage de bois et faisage de maison. Hein. Je tiens à prévenir. Putain, j'ai le nez qui me gratte, je suis désolé. Entre l'éternuement de tout à l'heure et là, le nez qui me gratte. Bref. Hop. J'en profite, je vais boire un petit coup aussi. Hop. Le petit orangina, excusez-moi pour le placement de produit, hein, mais le petit orangina qui fait toujours plaisir. Est-ce que je peux le toucher d'ici? Nickel. Hop, voilà. Hey, referme-toi, que je te fasse pas tomber. Parce que moi, j'ai la fâcheuse manie de faire tomber mes bouteilles. Hop, voilà. Ah oui, faut que je m'équipe du marteau, excusez-moi. Faut que je m'équipe du marteau, excusez-moi, j'ai dit. Alors, du coup, l'arche. L'arche, limite, je le verrais bien. Ah, je peux le faire en planche aussi. Ah, limite, je le ferai en métal. Allez. Comme ça. Avec une petite porte en bois, en beau bois. Hop, toujours maison. Une porte. Ah, peut-être en planche. Ah, je le verrais peut-être plus en planche du coup. Ouais, en planche, allez. Regardez ça. Putain, notre maison, il commence à avoir de la gueule, les gens. J'aime bien ça, là. J'aime bien. Ça fait plaisir. Allez, il me faudra un petit mur de plus. Driftwood stick. Ah, ça, par contre, c'est bien ça. Ça, par contre, c'est très très bien ça même. Oh, du calme. Oh, regardez les chauves-souris sur le côté. Trapwall. Ah, un mur en toile. Ah, c'est pas mal ça aussi. Woodstick, driftwood. Ça, je sais où on va les mettre. Ça, par contre, du coup, on peut plus que faire des murs comme ça. On va en mettre un petit ici. Je sais, la maison ressemble à rien. Elle a du tous les bois du monde, enfin, tous les matériaux du monde, mais c'est pas grave.
Du coup, je vais essayer de faire pourvoir des toits. On peut pas faire toit directement, donc on est obligé de mettre des floors. D'accord. Donc au moins ça c'est déjà mieux. Je peux l'ouvrir. Ouais, nickel. Bon, il est quelle heure là? Oups. Il est 20h30. On va attendre 22h, 23h avant d'aller se coucher quand même. Hop, voilà. Et comme ça, j'irai chercher du bois sur une autre île que nous ne connaissons pas. Hop. Voilà. Regardez ça. C'est pas si beau ça? C'est pas beau ça? C'est pas beau ça, mes amis? Ça, j'aime bien ça. Bon, alors, du coup, dodo. Dodo. Ah, par contre, du coup, voilà. Du coup, j'ai utilisé tout mon. Bon, ça va, on a encore du poisson, on a encore tout ce qu'il faut, mine de rien. Voilà. Ah. Ah. Au crépuscule. Non, crépuscule, c'est quand ça se couche. Bon, voyons voir mes stats. Ouais, faut de l'eau. Hop. Il est pas tombé, il est pas tombé, il est pas tombé. Ah. Oups, excusez-moi, je voulais voir les stats. Ah, ça fait plaisir. Et en plus de ça, aujourd'hui, c'est du poisson, les gens. Regardez ça. Boum! Ça, c'est bon, ça. Là, on a des belles stats. Là, j'aime ça. Du coup, ça, je repose. Ça, je récupère. Allez, hop. Oh, putain, je suis désolé pour les petits coups de lag. Comme d'habitude, hein, c'est un jeu en alpha. Ça, par contre, je suis désolé de me répéter, mais voilà. Hein. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Par contre, est-ce qu'on a encore un peu de bois? Ouais, on a encore un peu de bois. Ça fait plaisir. On va le mettre là-dedans. Hop, voilà, on va faire cramer tout ça. Du coup, la maison, on va la continuer juste après. D'abord, voilà, je voudrais récupérer mon bateau et aller sur l'île là-bas. Tranquillement. Allez, hop. Allez, hop. Allez, hop. Hop. Non, hop. Et c'est parti. Sur ce, je vous fais une petite ellipse. Sauf s'il se passe quelque chose. Donc sur ce, ellipse. Ça va, je m'en sors bien. Waouh, regardez-moi la taille de cette île, mes amis. Je suis pas encore arrivé, hein. Je vais. Voilà, regardez, mon île, elle est là. Ça, c'est l'île qu'on va visiter. Regardez-moi la taille de cette île. Si c'est une même île, franchement, elle est énorme. Elle est énorme, cette île, franchement. Waouh. Ça a l'air d'être la même île. Franchement, ça a l'air d'être la même île. Elle est juste trop énorme. Ah, j'ai gardé le marteau, j'aurais pas dû. Wow, petit coup de lag. Waouh, c'est quoi ces lags de l'infini sur cette île? Waouh, c'est impossible à jouer. Waouh, attendez. Je fais une toute petite ellipse et je reviens tout de suite. Et re les amis, c'est bon en fait, j'ai corrigé le bug. C'était tout simplement Fraps qui prenait beaucoup trop de. Fraps qui prenait beaucoup trop de. De mémoire processeur. Et en plus de ça, vu qu'avant ça j'avais déjà record un truc, le PC était en surchauffe en fait. Et j'avais aussi plus beaucoup de place sur le disque dur. En gros, pour info, il me restait 6 Go et quelques sur le disque dur. Donc c'est pour ça que le PC en a eu un peu marre en fait. Mais là du coup, hop, c'est bon, on continue, on va chercher du bois à donf. Du coup, ouais, voilà, on va rechercher du bois à donf, hein, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Du coup, comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est l'épisode du Bawa. Du Bawa, du Bawa, du Bawa et maison. Hein. Bien sûr, faut pas oublier, parce que tout ça en fait on le fait pour la maison. Hop, 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 hop. Voilà. Oh, j'ai perdu ma hache. Oh merde. Bon bah déjà une hache de perdu, hein. En fait le seul souci dans ce jeu-là ça va être le bois.
en fait. Dans tous les jeux, il y a un souci. Là, c'est le bois parce que les arbres ne repoussent pas, en fait, tout simplement. Une fois qu'ils sont coupés, ils sont coupés, donc voilà. Donc après, on a de la chance de trouver des drift pile wool, là, je sais pas quoi. Ça, j'en ai pas besoin. Bon, il y a une noix de coco qui s'est suicidée. Par contre, comme je disais tout à l'heure, cette île est juste énorme. Regardez ça. Il y a un bout ici, qui est déjà pas petit, mine de rien. Et là, regardez tout ça là-bas, tout ça, tout ça, tout ça. Vous avez vu l'île de ouf, en fait, limite, valait mieux commencer sur cette île. Et comme je vois, là, il y a du yucca. Ouais, en fait, cette île-là promet beaucoup de choses, en fait. Ça, je vais le prendre, parce qu'on sait jamais. Ça peut être sympa aussi de faire des petits murs de temps en temps des petits murs de temps en temps en toile. Ça, c'est fun aussi. Ça, j'aime bien, les petits trucs comme ça de la maison. Ouais, du coup, finalement, j'ai beaucoup moins de place. Du yucca, j'en ai encore à blinde. Au pire, sinon, je sais où j'irai en off. Regardez ça! L'île est énorme! Comme ma. Pardon. Ah, excusez-moi, on m'invite pour game. Ah, c'est. Ah, c'est ça! C'est pour tourner du Overwatch. Donc, est-ce que vous aurez de l'Overwatch en même temps? Faut juste que je lui envoie un message en disant: pas tout de suite, gros, je finis d'abord mon épisode. Hop, hop, hop. En fait, là, je vais me mettre full bois. Et en off, en fait, je finirai la maison. Donc, je pense que je vais. Oh, non, je monte pas à l'arbre, s'il te plaît. Je pense qu'en off, en fait, je finirai la maison. Vous me direz ce que vous en pensez. Hop, 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 hop. Il me reste encore un petit peu de place. Ça, c'est toujours bon. Ouais, c'est bon, j'ai pris la toile. Je voulais voir si j'avais pris la toile, en fait. Hop. En tout cas, j'espère que vous kiffez toujours, toujours cette petite série. Moi, personnellement, je m'éclate dessus. Hein. C'est la série de l'été, comme je l'ai appelée. Franchement, moi, je m'éclate dessus. C'est fun. Ça libère l'esprit, on peut dire ça aussi. Hein. Parce que franchement, c'est cool, quoi. T'es en pleine mer, t'as des îles, tu te crées ton truc, t'as des crafts, t'as des. Pour l'instant, ça va, on n'a pas eu trop de requins encore. On en a eu un qui nous a attaqué, mais qui nous a juste poussé le bateau tout au début de. Tout au début. Mais c'est tout. Ah, ça, c'est bon, ça. Ah, j'ai plus de place. Ah non, ça va. Voilà, nickel, ça nous a redonné un peu de bouffe, un peu de soif. Hop, hop, hop. Y a pas un autre arbre là? Un autre petit arbre? Si, toi là, toi t'as un petit arbre normalement. Attendez, je défonce le yucca parce que le yucca en fait me dérange. Voilà, pour défoncer Ficus. Ficus, un petit arbre sympathique, mine de rien. Je trouve que franchement, le jeu, il est magnifique. Vous pouvez pas dire le contraire, hein, franchement. Et en fait, vous pouvez pas dire le contraire parce que c'est qu'un jeu en alpha pour l'instant. J'avais pas vu le bois tout à l'heure, ça. Et ben voilà, je suis full. Sur ce, mes amis, ça va être la fin de l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'aimer, etc., etc., etc. Et mettez un petit commentaire aussi. Mettez un petit commentaire aussi. Bah, si ça vous fait plaisir de retrouver cette petite série de l'été, mine de rien, que je vais essayer de tourner beaucoup plus d'épisodes. On va finir de visiter cette île-là aussi dans l'épisode prochain, pas d'inquiétude pour ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine! Allez, gros bisous bisous!